صوفيا عزيزتي، يا أخي لينا ويني؟ كل مرة واحد مراهش. يا سلومة، ما نخبيش عليك، لينا بنتنا ديما شادة البيت، حالتها مش عجبتني وعندها برشا محيرتني. كيفاش تقول هالكلام وانا اللي بك متمان؟ خليتها على عينيك وعملت عليك، عاد انتي أمها، شبك مسألتيش؟ لينا بنتنا الزوز، شوفها معايا وانتي ليه كان في الفلوس، قديش مني أنا شارع ودار؟ لينوش، وينك عايش بنتي؟ لاباس، شنيا حوالك؟ لاباس بابا. شا عاملة في الروضة، ماشي الأمور؟ أي صوفيا عزيزتي، والله كلامك صحيح، وكي قلت لي عملت المليح، طوام علينا كان ثبتوا مع الروضة، هكيك نقطع الشك، نتمنوا على البنايتنا. عسلامة مدام سعاد، جيتك حبيت نتمنى على بنتي لينا، لاحظت عليها شانجمان، قلت نجيك ديريكتومون. والله يا مدام صوفيا مانيش او كورون، نشوف مع لي ميتريس نتاعها ونرجع عليك. بالله يا مدام سعاد تبحيلي، وحط عينك عليها وطمني بها. اوه فدوني هالي بارون، يحبوا كان على السويفي دو لوغ انفون. يا اخي انا عندي واحد برك، شنو باش نعمل يا ربي؟ راني تعب، كان جا عندي حل ما خير راني ابليكيتو من غير تفكير. انا عندي لك الحل، لا ستارت اب بين عيني vous permet d'améliorer la qualité de service éducatif que vous offrez. Tout cela en détectant les émotions des enfants, comprenant leur comportement ainsi que suivant leurs états psychologiques. L'étude de marché que nous avons réalisée nous a permis d'évaluer notre cible potentielle et sa répartition grâce au site web Info Maman, suivant la nature de leurs activités, comme indique la figure suivante. Selon le questionnaire qu'on a réalisé, 77,2% des établissements interrogés trouvent des difficultés à comprendre les états psychologiques des enfants. 92,3% des parents sont intéressés par le concept de notre solution et souhaitent avoir un outil pour poursuivre le comportement de leurs enfants. Comprenons mieux les fonctionnalités de notre solution. Les caméras IP installées dans les salles identifient les enfants en se basant sur la reconnaissance faciale. Une technologie qui consiste à reconnaître automatiquement une personne à partir des traits de visage. Ensuite, les images captées sont transmises à un serveur de traitement. On détecte les émotions des enfants en se basant sur les méthodes d'intelligence artificielle. Des rapports seront donc envoyés à l'introduction finale via une application web ou une application mobile qui englobe les détails sur l'état psychologique de l'enfant et leur comportement dans le but d'améliorer la qualité d'enseignement. Quelles sont alors les technologies adaptées? Notre solution est basée principalement sur l'intelligence artificielle. Pour simplifier la notion, nous supposons que nous allons construire un algorithme intelligent pour classifier les chats et les chiens à travers une image. Bien évidemment, classifier ces deux animaux caractérise l'intelligence humaine. Mais une machine est aussi capable d'acquérir ce niveau d'intelligence grâce au réseau de neurones artificiels inspiré de la simple neurone de l'être humain. L'idée est simple, c'est de montrer aux algorithmes un très grand nombre d'images de chats et de chiens en indiquant chaque fois l'animal présent dans la photo et l'algorithme commence petit à petit à apprendre et différencier les spécifications de chaque animal. Pour notre solution, nous allons utiliser un réseau de neurones convolutionnels, un algorithme qui a révolutionné le monde de la vision par ordinateur. Cet algorithme scanne les pixels de l'image à travers les petits casques qu'on appelle noyaux et calcule chaque fois son produit de convolution avec l'image. Le noyau fonctionne alors comme un extracteur de données. Finalement, les valeurs des dernières couches sont concaténées dans un vecteur qui définit la sortie de notre modèle, c'est-à-dire notre prédiction finale. Pour un modèle très puissant et fiable qui garantit une bonne satisfaction pour nos clients, nous avons utilisé le transfer learning. Cette technologie permet d'utiliser les connaissances acquises par un réseau de neurones qui est déjà intelligent et de l'adopter à détecter les traits de visage des enfants ainsi que leur comportement. On réalise ainsi un transfert de connaissances, d'où le nom. En ce qui concerne le choix de la structure de notre entreprise, nous avons décidé d'opter pour une SARL pour garantir les avantages que peut procurer cette forme. Ce choix est dû à la nature de notre activité, la volonté de s'associer et l'engagement financier de la protection du patrimoine personnel des associés. Afin de respecter les directives de l'Instance nationale de protection de données personnelles concernant la protection de l'enfance, l'activité de notre start-up sera réglementée par des contrats rédigés par un avocat pour protéger les intérêts de toutes les parties prenantes et éviter les conflits juridiques.
Passons maintenant à l'étude financière. Pour chaque établissement, nous allons installer 11 caméras IP, un switch, un MVR, en ajoutant bien évidemment les frais d'installation, le coût donc égal à 83 000 dinars. L'investissement initial comporte aussi le développement de l'application mobile, les équipements bureautiques, le matériel informatique, les frais préliminaires et le besoin en fonds de roulement. Le total des investissements est estimé à 130 000 dinars. Pour financer notre investissement, nous allons avoir recours à un crédit fournisseur, deux investisseurs, plus des apports individuels. On estime que le nombre des établissements qui vont adhérer à notre programme est 23 pour la première année. On estime que le nombre moyen des enfants par établissement est de 50. Donc le nombre total d'enfants sera 1150. Nous allons réaliser un chiffre d'affaires de 115 000 dinars des abonnements des parents et 34 000 dinars des abonnements des établissements et 10 000 dinars des revenus de publicité sur l'application. Pour la première année, on aura un résultat négatif de 9 700 dinars. Ce résultat va s'améliorer pour s'établir à 80 000 dinars après 5 ans. Concernant l'aspect marketing, nous allons nous focaliser sur les interventions radio, principalement sur les émissions matinales et en deuxième lieu sur les réseaux sociaux. Nous allons créer une page Facebook ainsi qu'un compte Instagram afin d'augmenter la notoriété de notre solution et inciter les parents à adhérer à notre programme. Nous allons être présents aussi chez les établissements scolaires par des flyers et des affiches.